À tous et à toutes, je suis Bijal Menon, fondatrice de Indo-French Hub. Je suis très heureuse de vous retrouver tous en cette nouvelle année. Nous avons des participants de différents coins du monde. Bienvenue à nos participants sur Zoom et Facebook Live. J'espère que cette année 2021 apportera le bonheur et de nouveaux apprentissages pour tous. Tout d'abord, je souhaite chaleureusement la bienvenue à M. Philippe Guillien, attaché de coopération pour le français, Institut français à Mumbai. Bienvenue, Philippe. Oui, bonjour, Bijal. Ça va? Merci, merci d'avoir eu l'idée. Tout va bien. Et bienvenue également à Marion pour ce premier webinaire en interaction avec... avec nos amis d'Indo French Hub en Inde, mais aussi dans d'autres pays, puisque maintenant l'audience est internationale. Donc, je serai assez bref aujourd'hui. Je veux simplement dire que pour l'Institut français, au niveau mondial, le cinéma est un enjeu extrêmement important. C'est un vecteur de diffusion culturelle de premier plan. C'est aussi un outil de coopération très important entre l'Inde et la France notamment, mais également avec d'autres pays. Et c'est un outil d'apprentissage de la langue française tout à fait exceptionnel, donc parce qu'il permet une interaction linguistique, une confrontation avec des réalités culturelles françaises qui sont tout à fait incomparables. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi les participants mon collègue Éric Perrotel, qui est également attaché de coopération pour le français pour la zone sud de l'Inde, et je sais qu'il est lui-même passionné par le cinéma et l'utilisation du cinéma en classe de FLE. Nous avions d'ailleurs organisé un séminaire lors de l'université d'été des professeurs de français à Goa en 2019, un séminaire spécifique consacré justement à l'utilisation du cinéma en classe de FLE. Voilà, et nous avons également la chance d'avoir aujourd'hui ma collègue Juliette Grandmont, qui est attachée de coopération pour l'innovation et le multimédia, qui englobe bien évidemment le cinéma, et donc je serai heureux de lui laisser la parole. Bienvenue Madame Juliette Grandmont. Elle est là. Madame Juliette Grandmont. OK, on continue. Peut-être elle va nous rejoindre. Et aussi, je souhaite chaleureusement la bienvenue à Madame Amrita et Marion Trotté, notre intervenante de Club Alors, français. J'ai activé le micro, mais en fait, je ne vous entends plus. Donc, je ne vous entends plus. Ah, nous, est-ce que quelqu'un peut parler bien, pour vérifier? Ah voilà, c'est bon. D'accord. Donc je ne sais pas comment enchaîner parce que j'ai eu un blanc, mais tu avais introduit sur l'importance du cinéma dans l'apprentissage des langues, et je voudrais compléter justement avec pour le panorama du cinéma français en Inde. Pour rappeler que donc, même si la France est un des premiers exportateurs du monde en termes de cinéma, l'Inde est aussi un des premiers producteurs du monde. En fait, ils produisent leur production entre Bollywood représente 90% de l'espace de leur écran, que ce soit petit ou grand. Et les 10% restants, ce sont des films anglais, en langue anglaise, donc majoritairement américains et anglais. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le cinéma français et en langue française. Donc, la seule fenêtre de diffusion qu'il y a pour les films français, ce sont justement en Alliance française, en lycée comme support d'apprentissage de la langue, et aussi dans les festivals, les festivals dans toutes les régions qui font aussi un travail absolument merveilleux. Donc, on appelle ça le circuit non commercial. Et justement, je voulais que vous sachiez l'importance que vous avez en tant que relais de diffusion de ces films-là, parce que c'est quasiment la seule manière pour le public de voir nos films français.
Donc, vous avez plusieurs outils pour ça. Justement, Philippe, tu parlais de l'Institut français qui a une plateforme qui s'appelle IF Cinéma, donc Institut français cinéma, qui a été créé justement pour tout le réseau français et qui, de par le monde, et qui a réuni une énorme bibliothèque et catalogue de films absolument merveilleux. Faut savoir que l'Inde, comme justement, vous n'avez pas, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent en salle, ils sont énormément disponibles pour le circuit non commercial et les festivals. Donc, vous avez quasiment accès à plus de 4000 films. Ça va, ils font des focus, en fait, justement, très intéressants sur des films de femmes. Par exemple, ils ont réhabilité les films d'Alice Guy qui étaient remis en lumière. Et vous avez des films comme ça jusqu'à nos jours, jusqu'aux années 2019 sur tous les supports. Donc, si vous avez un compte et vous avez la possibilité d'avoir accès à IF Cinéma, je vous encourage vraiment à utiliser cette plateforme et à utiliser justement toutes les équipes aussi qui sont à votre écoute pour vous aider à choisir les films. En ce moment, l'Institut français fait une collaboration avec Unifrance, qui est l'association qui représente tous les exportateurs de films, et qui fait un festival qui s'appelle My French Film Festival, qui a commencé le 15 janvier et qui a lieu jusqu'au 15 février. Donc, c'est un mois de films, 13 longs métrages français, c'est la nouvelle garde du cinéma français, tous les films de 2019. Vous avez 20 courts-métrages aussi français en langue française. Alors, vous avez plusieurs moyens d'aller voir My French Film Festival. Soit vous allez sur le site et c'est un petit peu, il y a un petit package à payer de 7 euros. Soit vous avez un compte IF Cinéma, justement, et tous les films sont gratuits. Soit vous pouvez aller sur Mubi aussi, qui est une plateforme qui était une plateforme française au départ, qui est mondialement installée maintenant. Et vous avez plus de 8 longs-métrages en accès libre sur Mubi. Et justement, j'insiste, je fais un peu la passerelle sur Mubi. C'est une plateforme qui propose énormément de films français de qualité. Vous avez quasiment tout le catalogue de Varda, beaucoup de Truffaut. Enfin, c'est aussi une mine d'or si vous avez. Bon, alors, c'est un petit abonnement privé, mais si vous avez la possibilité d'aller piocher des films sur Mubi, c'est aussi un très, très, très bel outil. Et d'ailleurs, pour My French Film Festival, donc c'est jusqu'au 15 février, et il y a un concours public. En fait, c'est une compétition. Donc, le public peut voter pour doter un des films du prix du public. Et il y a aussi un concours. Il suffit de faire des photos de soi en train de regarder My French Film Festival et de gagner un trip à Paris. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour motiver aussi les troupes pour aller voir les films sur la plateforme. Donc là, vous avez justement, si vous ne connaissez pas la plateforme, je crois que Philippe est en train de vous montrer. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un qui… Moi, je vais me muter justement et vous repasser la parole. Oui, Philippe, vous voulez ajouter quelque chose à propos de la site aussi? Non, je vous… Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Marion. OK, merci Madame Juliette et merci Philippe. OK. L'Indo-French Hub en collaboration avec l'Institut français and présente le webinaire pour aujourd'hui, comment apprendre le français avec des films et des séries. Le cinéma français occupe une place privilégiée dans l'histoire du cinéma et aussi dans la vie des enseignants et des apprenants. Nous, les francophones, sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de rester en contact avec cette belle langue. Parfois, nous apprenons en lisant un roman ou nous nous inscrivons à des cours de langue. Alors, maintenant, nous allons explorer comment apprendre à améliorer nos compétences en français avec des films et des séries. Les films et les séries, selon moi, c'est un moyen de découvrir la culture française.
Les films français sont le reflet de la culture française. En regardant un film, nous pouvons en apprendre un peu plus sur le mode de vie des Français et les spécificités de la culture française. De plus, à travers les films, on peut voyager via l'image et le son, s'ouvrir à une autre culture, découvrir la vie française en situation réelle, étudier la langue tout en s'en distrayant, faire travailler l'oreille de manière consciente et inconsciente. Il y a beaucoup plus à dire sur tout cela. Et je suis sûre qu'avec Marion, notre intervenante d'aujourd'hui, nous allons nous enrichir. Tous les participants sur Zoom, si vous avez des questions au cours du webinaire, veuillez le poser dans la section de la boîte Q&A dans le Zoom. Et notre participant sur Facebook, bienvenue. Et vous pouvez poser les questions dans le chat de Facebook. Et nous répondrons aux questions vers la fin du webinaire. Et maintenant, Madame Marion Trottet de Club Français. Bienvenue, Marion. Merci. Merci beaucoup, Michel. Oui. Et je vous laisse de te présenter dans une manière très fascinante. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Vous avez dit beaucoup de choses. Merci aussi à Philippe et Jacques pour toutes les informations précieuses que vous avez apportées. Beaucoup de choses. J'espère que tout le monde a pris note parce que c'est vraiment des lieux où vous allez pouvoir voir des films français. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et comme a dit Bijal, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci beaucoup, Bijal, pour cette idée d'avoir... Avec plaisir. Je vais donc partager ma présentation d'aujourd'hui. Et je pense que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Ok, oui. Parfait. Donc, bonjour, je m'appelle Marion, donc je suis la créatrice de Club Français et je suis aussi professeure de français langue étrangère. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces et techniques sur comment apprendre le français avec des films et des séries. Donc, que vous soyez apprenant ou aussi enseignant, parce que je crois comprendre qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants de la langue française ici aujourd'hui. Alors, allons-y. D'abord, je voulais me présenter, vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui et ce qui m'a amenée à enseigner le français en utilisant des films. Et en fait, c'est assez rigolo d'être ici aujourd'hui avec un public majoritairement indien parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait un voyage, un grand voyage en Inde pour réaliser un documentaire sur la musique indienne. Donc voilà, c'est comme ça que vous auriez pu me voir il y a quelques années, toujours avec une caméra à la main. J'ai beaucoup voyagé depuis très très jeune et j'ai aussi beaucoup appris des autres cultures, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis un jour j'ai décidé de partir vivre à l'étranger et donc je suis partie vivre en Slovénie et je suis partie enseigner le cinéma qui est ma formation à la base. Et en fait, vivre et voyager, c'est vraiment très différent, comme vous avez peut-être pu faire l'expérience vous-même, ou peut-être que vous vous apprêtez à le faire. En tout cas, vivre dans un pays étranger, c'est vraiment très différent que de simplement voyager. Et là, toute ma culture française a commencé à me manquer. De ne plus pouvoir aller à la boulangerie, de ne plus pouvoir voir des films en français au cinéma, même l'administration française me manquait, de pouvoir m'exprimer dans ma langue avec des personnes qui comprennent ma culture. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience de la richesse de ma culture française et qui m'a aussi beaucoup donné envie de la partager avec les personnes qui s'y intéressaient. Et c'est donc assez naturellement que j'ai décidé de me reconvertir en professeur de français, langue étrangère. Et donc, j'ai étudié avec l'Alliance française de Paris à distance pour devenir professeur de français, langue étrangère. J'ai acheté plein de manuels de langue pour pouvoir enseigner le français. Mais il y a un petit problème, c'est qu'en fait, il faut que je vous avoue quelque chose. À la base, je suis
une scientifique. Donc, j'ai fait vraiment des études scientifiques. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait un baccalauréat scientifique avec une option mathématique. Voilà. Ma matière préférée à l'école, c'était les maths, les cours de français à l'école, les cours de langue étrangère à l'école. Ce n'était pas vraiment mes cours préférés. Et d'un coup, je me retrouve prof de français langue étrangère. Alors, c'était un petit peu étrange, mais donc oui, à l'école, c'est vrai que je suis plutôt une scientifique. Mais, oups, je vois des petits messages. C'est vrai que donc à l'école, j'étais une scientifique, mais dans la vraie vie, en fait, sur le terrain, j'ai appris l'anglais en voyageant et aussi le portugais en 6 mois. Je suis aussi capable de chanter quelques chansons en russe et en hindi grâce au cinéma de Bollywood que j'adore. Donc voilà, les langues, ça a quand même été quelque chose que c'est quelque chose que j'adore énormément, mais la façon de l'apprendre, ben à l'école, c'était simplement pas vraiment fait pour moi. Et donc au moment de l'enseigner, ben je me suis demandé comment je pouvais le faire d'une façon un petit peu différente. Et j'ai commencé à apporter à mes apprenants des extraits de films français récents et moins récents, selon leur goût et selon leurs besoins. Et là, ça a très, très bien fonctionné. Pour toutes les personnes qui aiment le cinéma, c'était vraiment des beaux fous rires. On a pu aussi apprendre des expressions, du vocabulaire, des choses qui sont un peu difficiles à trouver dans les manuels de français, même si les manuels de français sont très bien faits. Je n'ai rien contre les manuels de français, je vous rassure. Et puis surtout, c'était une façon très, très intéressante et vraiment très riche de montrer la culture française. Je pouvais emmener mes apprenants en France tout en restant chez moi et eux chez eux. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai créé Clap Français et c'est une façon d'enseigner le français à l'aide du cinéma français. Moi, à la base, j'ai un master en technique de l'image et du son, donc pour être technicienne dans le cinéma. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous donner mes techniques, quelques méthodes, quelques outils que j'utilise pour enseigner et apprendre le français ou même d'autres langues étrangères en utilisant les films et les séries. Voilà. Alors, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, j'ai divisé cette présentation en 5 parties et je vais essayer de tenir dans les temps, Bijal, promis. Donc, une première partie sur le cinéma français, une deuxième partie sur comment bien choisir les films que vous allez regarder. La troisième, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez travailler toutes les compétences grâce au film et pas seulement l'expression et la compréhension orale, mais aussi vraiment toutes vos compétences de communication. Ensuite, je vais vous montrer un exemple pratique que j'utilise moi dans mes cours et quelques ressources qui peuvent être largement complétées par les ressources qui vous ont été données au début de ce webinaire, les festivals de films en ligne, My French Film Festival, par exemple, qui est vraiment génial, et aussi, bien sûr, les ressources de l'Institut français pour les personnes qui ont accès. Allez-y, vraiment. Donc, je vous donnerai aussi d'autres petites ressources que moi, j'utilise et que vous connaissez certainement. Voilà, et pour commencer, on va tester vos connaissances du cinéma français à l'aide d'un petit quiz. Donc, je vais demander de l'aide ici sur Zoom pour montrer les différentes questions. On peut commencer avec le premier poll. Okay. Allons-y. Okay, we are going to have the first poll question for all the participants. And all those who are on Facebook, you can also reply to the poll question in the chat box. Exactement. Tushar, can we please have the first poll? Okay. Donc, la question, vous pouvez la voir aussi sur Facebook. Je les ai écrites pour que tout le monde puisse participer. Et alors, quand a eu lieu la première projection publique payante des films de Louis Lumière à Paris? Donc, on pourrait dire la première séance de cinéma. Est-ce que c'était le 3 janvier 1877, le 23 décembre 1882 ou le 28 décembre 1895? À votre avis? Ah,
70% des participants ont déjà répondu. OK. C'est assez récent, on pourrait dire quand même. Alors, et j'arrive pas à voir les réponses, par contre, Bijan. Oui, moi, juste un moment. D'accord. Oui, ensuite, vous allez les montrer. OK. Pas de problème. So we can have the poll results, please. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des réponses aussi sur Facebook? C'est là. C'est là, sur l'écran, Marion. Oui, bravo, vous êtes très, très fort. Exactement, le 28 décembre 1895, c'est la première projection de cinéma. C'était spectaculaire, vraiment, pour les spectateurs de voir une séance de cinéma, de voir un film. Et elle a eu lieu au Salon indien du Grand Café de l'Hôtel Scribe au boulevard des Capucines à Paris, devant 33 spectateurs présentés par Antoine Lumière. Voilà. OK. La deuxième poll, the second poll, please. Et Marion, il y a pas mal de gens sur Facebook qui ont répondu. Ah, je vois, oui. Je n'arrive pas à voir les commentaires sur Facebook. Oui. J'ai mis Facebook à côté aussi pour regarder. C'est parti, oui. Alors, qui a réalisé les premiers effets spéciaux au cinéma? Est-ce Louis Lumière, Georges Méliès ou Steven Spielberg? À votre avis? Alors? Oui. Juste quelques secondes encore. Oui, oui, bien sûr. Oui, sur Facebook, il y a des gens qui ont mis B et C comme les réponses. OK. Réponses. D'accord. D'accord. Can we have the results, please? Oui. Georges Méliès, oui, exactement. Bravo. Georges Méliès, donc c'est lui qui a créé les premiers effets spéciaux et aussi le premier studio de cinéma dans sa verrière ici à Montreuil, puisqu'à l'époque, il fallait beaucoup de lumière pour pouvoir imprimer sur des pellicules. Et en fait, Georges Méliès, lui, à la base, il était magicien. Donc, quand il a découvert les caméras cinématographiques, c'était vraiment un terrain de jeu incroyable pour lui. Et il nous a laissé des films magnifique. La plupart sont visibles en ligne gratuitement, puisque c'est des films assez anciens. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Georges Méliès, je vous invite vraiment à le voir. C'est pas, il n'y a pas, bien sûr, de son, mais c'est vraiment très intéressant. OK. Can we have poll 3, please? Ah oui, je me suis trompée. Donc ça, c'est la troisième question. Oui, oui. Alors, quel est le film produit et réalisé en France par une équipe française et en français, d'accord, le plus vu à l'étranger? Est-ce que c'est Bienvenue chez les Ch'tis? Est-ce que c'est Intouchable ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Je suis sûre que vous connaissez tous ces trois Can films. Can we have the third poll, please? Merci. Donc, c'est trois films à mettre sur votre liste de films français à voir absolument. Si vous n'avez pas encore commencé la liste, prenez un petit crayon, un papier et allez-y. This is a tough one, I think. Ouais, oui, c'est difficile. En fait, ils sont tous dans le top 3. Oui. Je ne sais pas la réponse, mais je vais choisir Intouchable peut-être. OK, très bien. On va voir. OK, can we have the poll results, please? Ah, Intouchable. Ah, tu n'es pas la seule à avoir choisi Intouchable. et oui, Intouchable, donc de Eric Nakache et Toledano. Et oui, Intouchable en première position. Et en deuxième position, vous avez Amélie Poulain. Et en troisième position, Bienvenue chez les Ch'tis. Il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs films de Luc Besson qui sont dans les films les plus vus à l'étranger, mais ils ont souvent des parties en anglais ou aussi une partie de la production qui n'est pas française. Voilà. Bravo à tous, Intouchable. Ouais. On continue? Oui, the next poll question, please. Allez, la quatrième, l'avant-dernière, je vous en ai préparé cinq. Quelle cérémonie... Ouf,
faute d'orthographe ici. Quelle cérémonie récompense les productions cinématographiques françaises chaque année? Est-ce que c'est la cérémonie des Césars? Est-ce que c'est le Festival de Cannes? Ou c'est les Victoires du cinéma français? À votre avis? Il y a 50% qui a répondu. Oui. Et sur Facebook, vous suivez toujours? Ah oui, il y en a. Oui, oui. La question est déjà passée. Alors. Oui, can we have the results, please? Oui, il y en a beaucoup sur Facebook qui a choisi le Festival de Cannes. Ah, et non, le Festival de Cannes, oui, c'est un festival qui a lieu en France, mais qui ne récompense pas que les productions françaises. En France, on a la cérémonie des Césars. Donc, les Césars du cinéma, c'est une récompense cinématographique qui a été créée en 1976 et qui est remise tous les ans à Paris. Donc ici, vous avez le film Les Misérables de Lady Di qui a été... qui a gagné l'année dernière le César du meilleur film. Voilà, et ça ressemble à ça, un César. And et la dernière last, question. Oui. And the last book, please. En 2010, combien de Césars a obtenu le film Un prophète, que vous pouvez ajouter à votre liste aussi, comme must watch. Grand film à voir. Alors, 5 Césars, 9 Césars ou 12 Césars, à votre avis? Dans tous les cas, c'est beaucoup. Bilal, je pense que tu connais la réponse. Et on attend quelques secondes encore. Et il y a notre amie, Madame Komala Devrajan, Anjali, Shweta Kamla sur Facebook qui ont déjà répondu. OK. Alors, combien? Vous pensez? Can we have the... je ne sais pas, mais c'est... Non, peut-être? Peut-être. Can we have the poll results, please? Ah oui? Oui, 9 Césars, bravo. Vous avez choisi au milieu et c'est ça. Il a reçu 9 Césars, le César du meilleur film, le César du meilleur réalisateur, du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur espoir masculin, de la meilleure photographie, du meilleur montage, du meilleur scénario original et des meilleurs décors. Pas mal. Formidable, non? Oui, si ça, ça ne vous donne pas envie de le voir. Voilà, attention, ce n'est pas un film drôle, donc ce n'est pas un film à voir avec vos enfants, par exemple, mais c'est un très, très bon film, vraiment. Ça se passe donc dans le milieu carcéral, en prison, et avec de très, très bons acteurs. C'est vraiment un film à voir, mais avec un certain état d'esprit, on va dire. OK, bravo. Merci à tous pour votre participation et on va continuer maintenant. J'aimerais vous donner quelques conseils sur comment bien choisir les films que vous allez voir en fonction de vos objectifs d'apprentissage. Donc, il y a 4 choses dont je voulais vous parler. Et tout d'abord, donc, continuez avec votre papier et votre crayon pour noter ici les films dont je vais vous parlez, mais c'est très important de choisir les films selon vos goûts et selon vos motivations, vos objectifs. Et comme on l'a dit aussi au début de ce webinaire, le cinéma français est très, très riche. On a énormément de films, c'est infini. Donc, ne vous forcez pas à voir des films que vous n'avez pas envie de voir, qui ne vous intéressent pas. Voilà, ne vous forcez pas, regardez vraiment des films qui ont un intérêt pour vous. Il y en a tellement. Ce serait dommage de perdre la motivation en se forçant. Je vous ai donné ici quelques petits exemples, quelques petits conseils, comme par exemple, imaginons que vous apprenez le français pour le travail, et bien pourquoi pas voir ce film qui s'appelle La loi du marché, donc qui se passe dans un supermarché avec un agent de sécurité qui a des petits problèmes sur son lieu de travail. Il y en a beaucoup des films sur le monde du travail en France. Il y a par exemple sur Netflix, qui est disponible à peu près dans tous les catalogues, La fille du patron, et certainement que vous pourrez en trouver aussi sur le catalogue de IF Cinéma. J'imagine qu'on pourra vous aider avec ça.
Il y a aussi, par exemple, imaginons que vous adorez Paris. Ça arrive souvent quand même. Eh bien, n'hésitez pas à revoir Amélie Poulain, qui est quand même un film qui rend beaucoup hommage à Paris. Il y en a d'autres, hein. Il y a Paris notamment. Il y a vraiment beaucoup de films qui se déroulent à Paris. Mais c'est vrai qu'Amélie Poulain, c'est un grand classique et qui montre vraiment des lieux magnifiques de Paris. Si vous aimez la cuisine, pourquoi pas Les Saveurs du Palais, qui se passe dans les cuisines du président de la République avec une nouvelle cuisinière. Si vous aimez la musique, bien, il y a énormément de biopics sur des artistes français. Donc ici, je vous ai mis Django parce que j'aime beaucoup ce film, il est très bien fait. Mais vous avez aussi, par exemple, La Môme sur Édith Piaf. Vous avez aussi un film sur Barbara qui a été fait récemment. Un film aussi sur Claude François, Clo-Clo. Voilà, c'est des biopics, donc bien sûr, c'est pas exactement la vérité sur la vie de ces artistes, mais en tout cas, c'est des films aussi très intéressants si vous aimez la musique. Il y en a un aussi sur Gainsbourg, sur Serge Gainsbourg, que vous pouvez voir. Et imaginons que vous allez étudier ou enseigner en France, imaginons, et ben pourquoi pas voir Entre les murs, qui est un film qui a été tourné donc dans un lycée français et dont les acteurs en fait ne sont pas des acteurs mais des étudiants d'une classe. Donc c'est moitié fiction, moitié documentaire, et c'est un film très intéressant dans lequel vous allez pouvoir retrouver du vocabulaire vraiment du vrai vocabulaire de ce que vous allez pouvoir retrouver dans une salle de classe. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres propositions, à les partager sur le chat avec les autres participants. On est là aussi pour échanger. Donc, n'hésitez pas à donner aussi vos films préférés français. Donc, ça, c'est selon vos goûts, vos motivations, vos objectifs, bien sûr. Ensuite, bien sûr, il faut aussi s'adapter au niveau. Si vous êtes apprenant ou si vous êtes professeur, bien sûr, on ne peut pas montrer tous les films pour tous les niveaux, c'est-à-dire que si vous êtes débutant A1 ou si vous avez des étudiants en A1 ou en A2, ben, c'est un petit peu difficile de leur montrer des films, par exemple, comme Divine, qui se passe dans la banlieue française et qui a énormément de vocabulaire familier. Donc là, le conseil, ce serait de s'orienter peut-être plus sur des films dans lesquels interviennent des enfants. Donc, par exemple, vous avez Le Petit Nicolas, qui est un film avec des enfants. Vous avez aussi Les Choristes. Le Petit Nicolas, je me demande s'il n'est pas... Je crois qu'il est en deux. Il y en a deux. Donc, préférez les films sur la famille, sur les métiers, les films assez courts, qui sont souvent à direction des enfants. Ils seront plus faciles à comprendre. Et pourquoi pas même... des films comme Ratatouille, enfin les films d'animation sont souvent extrêmement bien doublés, donc c'est aussi des ressources que vous pouvez utiliser. Au niveau A2, ici je vous ai proposé la famille Bélier. A1, A2, c'est à peu près les mêmes films qu'on va pouvoir montrer. Ici c'est sur une famille de malentendants, c'est un très bon film aussi pour les débutants. À partir de B1, vous pouvez commencer toutes les comédies romantiques françaises. Allez-y, il y en a beaucoup. Donc, on va parler surtout des émotions, de la santé, des goûts. Vous avez ici comme proposition Les Émotifs Anonymes, qui est un très bon film, mais il y en a énormément des comédies françaises et des comédies romantiques. Et à partir de B2, eh bien là, vous pouvez vraiment regarder tout. Mais surtout, vous allez pouvoir voir des films avec des histoires un peu plus compliquées ou des sujets très spécifiques, des choses un peu plus qui mélangent les registres de langue, où on va utiliser beaucoup de vocabulaire familier et mélanger le vocabulaire selon aussi les milieux culturels et sociaux. Donc voilà, à partir de B2, vous êtes libre. Et surtout, à partir de B2, pourquoi pas commencer à enlever les sous-titres le plus souvent possible pour commencer à s'entraîner à entendre et ne pas lire. Voilà, voilà. Continuons. Donc ça, c'est selon votre niveau. Donc voilà, soyez indulgents avec vous-même. Commencez pas par regarder des films très compliqués. Si vous avez un niveau A1, vous risquez de vous démotiver. Et c'est dommage en sachant toute la richesse du catalogue du cinéma français. Voilà, ce serait un peu dommage de vous arrêter là.
Bien choisir vos films, c'est aussi varier les styles, en fait. En France aussi, on a énormément de styles cinématographiques. Donc, on a beaucoup de comédies, comme je vous disais tout à l'heure. Vous connaissez peut-être OSS 117, mais il y en a beaucoup aussi des comédies classiques françaises. Je pense au Dîner de cons, qui avait été aussi repris par Bollywood, il me semble, qui avait été refait en version Bollywood. Vous avez des drames comme Huit femmes, qui est une comédie musicale aussi, mais un drame. Il y a même des films d'horreur. C'est vrai que c'est moins mon domaine, je connais un petit peu moins, mais si c'est quelque chose que vous aimez, le cinéma d'horreur, ben, allez-y, parce qu'il y en a aussi. Donc ici, je vous ai mis Chétan avec Vincent Cassel, qui est un film quand même assez ancien, mais... C'est un film d'horreur. Vous avez des films comme Ici ne le dit à personne, des comédies musicales pour les fans de Bollywood. Je vous recommande très chaudement les films de Jacques Demy, dont Les Demoiselles de Rochefort. C'est vraiment un de mes films préférés. Et si vous aimez les films musicaux, romantiques, légers, avec beaucoup de couleurs, et ben, c'est un film magnifique. Il est disponible sur Netflix en France, je ne sais pas sur les autres catalogues. Et peut-être sur, je sais, peut-être sur Mubi, à vérifier quand même. Il y a beaucoup de documentaires en France, par exemple Être et avoir, qui est un documentaire aussi assez ancien sur l'enfance, qui est superbe. Et il y a beaucoup de nouveaux aussi documentaires. Et vous avez, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, Agnès Varda, qui est ici, mais qui a fait aussi beaucoup de documentaires, Depardon, qui a fait des documentaires magnifiques. L'avantage du documentaire, c'est que vous pouvez, c'est pas scénarisé, donc vous pouvez vraiment entendre des gens qui parlent sans avoir un dialogue écrit. Donc, d'un côté, c'est un peu plus réel. Parfois, c'est un peu plus compliqué aussi, mais ça vous permet d'avoir une vision aussi de la France un peu différente. Et la nouvelle vague, donc on parlait tout à l'heure d'Agnès Varda, de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, je pense que vous connaissez tous la nouvelle vague. C'est un style à connaître, c'est un style qui marque vraiment l'histoire du cinéma français. Donc voilà, ça peut faire partie aussi de votre liste de films à voir. Et je voulais finir cette partie en vous rappelant une chose. Je suis sûre que vous êtes au courant, mais c'est vrai que c'est très important d'utiliser vos émotions au service de votre apprentissage. Il y a énormément d'études sur le sujet. J'en ai choisi une ici du Yale Center for Emotional Intelligence et je vous ai donné deux petites citations. Par exemple, les émotions ont le potentiel de faciliter les processus qui permettent l'acquisition, le stockage et l'utilisation de connaissances et des émotions épistémiques comme l'intérêt, la confusion, la surprise ou l'admiration sont étroitement associées à la connaissance et à l'apprentissage. Voilà. Donc, c'est pas nouveau pour vous, je suis sûre, mais en tout cas, c'est encore une très bonne... une très très bonne explication de pourquoi le cinéma est un moyen extraordinaire d'apprendre une langue et d'apprendre le français. Ça va vous permettre de rester motivé et ça va vous permettre d'apprendre mieux en utilisant vos émotions. Et ça, eh ben, je pense qu'il n'y a pas mieux que le cinéma pour donner de l'émotion, que ce soit du rire, des pleurs, des larmes, de la joie, de la tristesse. Donc voilà. C'est fini pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Et maintenant, comme l'a dit Bijal dans son introduction, c'est vrai que le cinéma et les films, c'est un moyen de travailler toutes vos compétences. Donc bien sûr, les compétences orales, mais aussi les compétences écrites. Et je voulais vous donner pour les professeurs et aussi les personnes qui apprennent le français tout seul quelques exemples d'activités que vous pouvez faire avec un film. Donc, il y en a beaucoup. Si vous voulez en partager aussi dans le chat ou sur Facebook, n'hésitez pas. C'est les activités que moi, j'utilise dans mes classes et qui sont très efficaces.
Et parfois, on a du mal à penser à beaucoup d'activités. Quand on regarde un film, on se dit, bon, bah, on regarde et, et on a déjà travaillé beaucoup notre compréhension orale et c'est pas mal. Et bien, pas que. On peut aussi travailler l'expression orale. Donc, par exemple, on peut expliquer le synopsis d'un film. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes cours, c'est-à-dire chacun regarde un film et raconte l'histoire du film. Ça permet de travailler la concordance des temps, de travailler le récit, comment organiser une histoire, comment parler de plusieurs personnages. Souvent, les synopsis, c'est quand même des histoires assez complexes, donc c'est intéressant. Et on n'a pas beaucoup l'occasion dans la vie de tous les jours de pouvoir s'entraîner à raconter des histoires aussi complètes. On peut décrire une scène de film, on peut parler, échanger sur ses émotions sur le film. On peut faire aussi, et ça, je vous le conseille beaucoup, 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 s'il vous plaît, faites-le, des exercices de shadowing. C'est parfait pour travailler votre prononciation. Et parfois, on a tendance à oublier que la prononciation et l'expression, ben, ça se travaille autant que la grammaire et le vocabulaire. Et donc, ça nous paraît très logique de faire des exercices de grammaire, mais pas trop des exercices de shadowing. C'est quoi le shadowing ? Mais en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va prendre, donc ça peut être dans un film, ça peut être aussi à la télévision, vous pouvez trouver aussi des extraits sur YouTube. Hein. Donc on va prendre par exemple dans un dialogue deux phrases d'un personnage et on va répéter ces deux phrases comme le personnage en imitant l'intonation, en imitant le son. Donc surtout, on évite de regarder les sous-titres ou la transcription. L'idée, c'est de vraiment se concentrer sur le son. Et ensuite, on s'enregistre, on s'écoute et on compare et on corrige. On corrige petit à petit. C'est vraiment, c'est comme je vous dis, on peut comparer ça à des exercices de grammaire, c'est-à-dire qu'on corrige défauts, erreurs par erreur. On ne peut pas tout corriger d'un coup et c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est vraiment la prononciation, quelque chose qui est souvent... assez difficile pour les apprenants et parfois un peu oublié dans les cours de langue. Mais voilà, le shadowing, c'est vraiment une très, très bonne technique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Solène ? Oui, merci. OK. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le shadowing pour vous si vous apprenez tout seul, avec vos étudiants aussi, sans problème. Et la dernière chose que moi j'utilise parfois en cours, c'est le doublage créatif. Donc je donne un extrait de film, j'enlève le son, un extrait de dialogue où on peut repérer un petit peu où on se trouve, les relations entre les personnages, comment ils interagissent, quelque chose qui est assez visible. Et je demande aux personnes de créer eux-mêmes le doublage de ce film, donc d'inventer la scène avec leur propre dialogue. Voilà, ça c'est pour l'expression orale. Niveau compréhension orale, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que des films pour ça. Il y a bien sûr parfois les podcasts aussi que vous pouvez utiliser, mais au niveau des films, eh ben, regarder un film sans les sous-titres, ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout. Ça dépend du niveau, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer assez tôt. Ça dépend du film qu'on regarde et de ce qu'on a envie de comprendre, mais si vous regardez un film vraiment pour entraîner votre compréhension orale, eh ben, enlevez les sous-titres et peut-être faites-le avec un film que vous avez déjà vu, donc que vous connaissez, ce sera peut-être moins frustrant pour vous, mais essayez de le faire régulièrement. Vous pouvez vous entraîner à noter les mots nouveaux, on peut aussi pour les enseignants faire des textes à trous à partir d'un extrait de film. Donc on prend la transcription et on enlève certains mots. On peut, si vous êtes apprenant, réécrire la transcription d'un extrait de film, par exemple, pour s'entraîner à bien écouter tous les mots. Comme ça, ça paraît facile, mais croyez-moi, c'est souvent le plus compliqué, comprendre l'oral dans les films pour tous les niveaux. Je vous montrerai après un autre type d'exercice. En expression écrite, eh ben, on peut écrire une critique de film et la poster sur des sites internet comme Sens Critique, par exemple, qui est un site internet où vous pouvez échanger vos critiques de films avec d'autres personnes en français. On peut écrire un résumé de film ou d'une séquence de film. On peut écrire un email au réalisateur du film ou un email à un ami pour lui présenter le film, par exemple.
On peut aussi créer une interview pour un acteur ou un film. Donc ça, c'est plus des activités qu'on pourrait faire en classe de français langue étrangère. Mais pourquoi pas aussi seul, si vous êtes apprenant du français. C'est aussi des activités qui sont intéressantes à faire autour du film. Et au niveau compréhension écrite, eh bien là encore, c'est possible de travailler la compréhension écrite avec des films. On peut, par exemple, avant de choisir quel film on va regarder, lire des synopsis de films. Les synopsis de films, c'est écrit d'une façon très spécifique et c'est très intéressant à lire. Donc, vous allez retrouver du vocabulaire que vous retrouverez nulle part ailleurs. On peut lire des critiques de films. Donc, encore une fois, je vous ai mis ici le site senscritique.com. Vous avez des critiques de films, vous avez aussi des critiques de musique, de BD. C'est vraiment un site où vous pouvez partager vos goûts et retrouver des gens qui ont les mêmes goûts que vous, qui peuvent parfois vous proposer des films qui pourraient vous intéresser. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et poster vos propres critiques. Pour la compréhension écrite, on peut aussi, bien sûr, lire les sous-titres en français le plus souvent possible. Si vous êtes motivé et que vous avez le temps, essayez de passer les sous-titres en français assez régulièrement. Et enfin, lire des interviews d'acteurs ou de réalisateurs, donc des lectures en relation avec le cinéma, c'est aussi tout à fait possible. Donc voilà, si vous aimez le cinéma, vous avez vu, vous pouvez vraiment travailler toutes les compétences de communication à l'aide du cinéma. Maintenant, j'avais prévu de vous montrer un extrait de film, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long et pas très pratique à faire pendant un webinaire. Mais je vais vous expliquer comment moi, je travaille avec un extrait de film pendant mes cours. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes prof. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes apprenant, choisir un extrait d'un film qui vous a marqué et que vous voulez comprendre. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle langue, donc pas uniquement le français, mais vraiment toutes les langues. Donc ici, c'est un extrait du film Superchondriaque qui est réalisé par Danny Boone, que vous connaissez sûrement. Il est le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis. Et il est le réalisateur de ce film aussi, et l'acteur principal. L'avantage avec Danny Boone, c'est qu'il est très expressif. Donc, c'est des films qui sont assez faciles à comprendre, même si on ne comprend pas toutes les blagues de vocabulaire. On peut comprendre de toute façon l'humour à travers le langage corporel. Donc, c'est vraiment un très bon acteur. Ici, c'est un film qui se passe donc dans un cabinet médical. C'est un film que j'utilise pour un public de niveau A2, B1, lorsque je commence à voir le vocabulaire de la santé, du médecin, etc., de comment fonctionne un rendez-vous chez le médecin en France, ce qu'on fait, les différents lieux d'un cabinet médical, etc. Je vais vous expliquer comment moi je travaille en vous, bien sûr, garder de côté qu'ici c'est pour un niveau A2, B1. Donc d'abord, en général, on regarde une première fois l'extrait et on situe le contexte. C'est-à-dire que je demande aux apprenants de ne pas se concentrer sur ce qui est dit, mais de se concentrer sur le contexte. Donc le lieu, le temps, où est-ce qu'on est, à quelle époque, si c'est l'hiver, l'été, l'automne, si on est dans les années 50, si on est à l'époque d'aujourd'hui. Et aussi le langage corporel des personnages, le style du film aussi, si ça a l'air plus d'une comédie ou d'un film d'horreur, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir dès un premier visionnage. Ensuite, ça c'est pour le niveau A2. Ensuite, on regarde une deuxième fois, maintenant qu'on a toutes les informations sur où se passe l'extrait. On va regarder en se concentrant sur le langage et donc en essayant de regarder si les personnages utilisent le vouvoiement ou le tutoiement entre eux pour pouvoir confirmer nos hypothèses sur le langage corporel en fonction des relations entre les personnages, par exemple. On va noter les mots qu'on connaît déjà pour voir quels mots on a entendus. On va noter des phrases, des expressions ou des mots nouveaux qui nous ont posé problème pour la compréhension, par exemple. On peut noter ça aussi. Donc ça, c'est un deuxième visionnage. Si on est sur un niveau B2, par exemple, ces deux étapes, on peut
facilement les faire en même temps. Si on est sur un niveau A2, c'est mieux de les séparer pour pouvoir bien prendre le temps de tout comprendre petit à petit. Et enfin, une étape 3, on va travailler avec la transcription de l'extrait. Et là, pour les professeurs, ou même pour les apprenants, hein, bien sûr, c'est place à votre imagination. C'est-à-dire que si c'est un extrait qui a beaucoup de vocabulaire, on va peut-être travailler plutôt le vocabulaire. Si c'est un vocabulaire nouveau, par exemple ici la médecine, on va travailler la grammaire. Si c'est par exemple un dialogue où il y a beaucoup, de conditionnels, ça c'est certainement le bon moment pour voir ou revoir le conditionnel. On peut faire des textes à trous, on peut faire beaucoup de choses ensuite à partir de la transcription. Je ne vous conseille pas d'utiliser les sous-titres parce que souvent les sous-titres, ce n'est pas une transcription exacte, c'est quelque chose qui est écrit pour les sous-titres dans les DVD ou sur les plateformes. Mais bien sûr, la transcription, c'est beaucoup plus pratique pour travailler la langue et ça permet d'ajouter les petits tics de langage aussi, les « ben », les « un », les « quoi », tous les petits mots qu'on met entre les phrases qui font ce son particulier du français. Voilà comment on peut travailler en pratique avec un extrait de film. Bien sûr, choisissez des extraits courts, vraiment un petit dialogue dans une scène, c'est-à-dire en général pas plus que 3 minutes. Un extrait de 3 minutes, c'est largement suffisant, vraiment. Voilà pour la pratique. En ressources, en plus de celles qui ont été dites au début, désolée, je ne les ai pas ajoutées ici. Donc, en plus des festivals, en plus du catalogue de l'IF Cinéma, vous avez bien sûr TV5 Monde, que vous connaissez certainement, et maintenant une plateforme de vidéos à la demande qui est disponible dans le monde entier, avec le même catalogue dans le monde entier, qui est TV5 Monde Plus. Ils ont également beaucoup, beaucoup de films, des classiques, ils ont aussi des séries, ils ont aussi des documentaires. Donc, c'est une ressource gratuite, c'est une ressource qui est disponible partout. Allez-y, utilisez-la autant que vous voulez. On a YouTube, bien sûr, où on peut retrouver des extraits et parfois aussi acheter les films directement sur YouTube. Netflix, attention avec Netflix, les catalogues sont différents en fonction des pays. Et si vous recherchez sur Netflix, par exemple, French Films ou films français, vous n'allez pas avoir tout le catalogue français de Netflix. Il va vous mettre des suggestions en fonction de vos goûts, par exemple. Mais il y a un lien très précis à partir duquel vous pouvez retrouver le catalogue, tout le catalogue français de Netflix. Vous pouvez trouver ça sur Internet en tapant « catalogue français de Netflix » s'il y a quelque chose à ajouter à la fin du lien, ou vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai ce lien sans problème. Et un partenaire avec qui je travaille beaucoup qui est Lost in Translation, ils ont aussi un service de VOD. Elle choisit souvent des films indépendants, des films français assez peu vus et avec des sous-titres en anglais. Donc voilà, ça, ce sera plutôt pour les niveaux peut-être débutants ou si vous avez envie de voir certains films et que vous n'avez pas forcément envie aujourd'hui de mettre les sous-titres en français. Ça arrive aussi, on a le droit. L'important, c'est de rester motivé. Donc Lost in Translation, c'est aussi une ressource que vous pouvez utiliser. Et tout à l'heure, Juliette a parlé aussi de Mubi. Donc Mubi, je crois qu'en Inde aussi, c'est assez actif. Mubi aussi a un catalogue très intéressant, je ne l'ai pas écrit ici mais on l'écrira aussi dans les commentaires quelque part tout à l'heure. La dernière chose, le dernier petit outil que je voulais vous donner qui est génial si vous travaillez avec Netflix, c'est un add-on, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter sur votre navigateur Chrome. Et ça s'appelle Language Learning with Netflix. Donc, si vous tapez Language Learning with Netflix dans Google, par exemple, vous allez pouvoir retrouver cette add-on à installer sur Chrome. Et il va vous donner les traductions de chaque phrase. Vous allez pouvoir utiliser aussi, regarder la traduction de mot par mot, par exemple. Et c'est très bien pour le shadowing dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir, par exemple, en cliquant ici sur le petit rond bleu,
faire revoir uniquement le passage où on, de cette phrase. Donc, c'est-à-dire, on pourra revoir le personnage réécouter quand il dit uniquement cette phrase. Donc, ça permet de le refaire plusieurs fois pour faire le shadowing. C'est vraiment un outil très sympa, c'est gratuit. Voilà. Souvent, mes apprenants l'aiment bien. Bien sûr, c'est si vous travaillez avec Netflix, ce qui n'est pas obligatoire du tout. Mais c'est un très bon outil. Et comme le titre du webinaire, c'était « Comment apprendre le français avec des films et des séries » et que je n'ai pas beaucoup parlé de séries jusqu'à maintenant, je vous ai mis ici une petite liste de séries que vous pouvez retrouver, que je connais, que je vous conseille, que j'ai déjà vues. Après, il y en a énormément, des séries françaises. Vous avez des web-séries ici que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Je pense encore une fois que ça dépend des pays. Par contre, vous avez Quiproquo, qui est une série très sympathique sur les différents accents français, des malentendus sur l'accent canadien, l'accent suisse, belge et français de France. Donc, c'est assez rigolo sur les expressions. Celui-là, il est disponible sur TV5 Monde Plus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez bien sûr 10%, qui est une série française. Planqueur, que je recommande uniquement à partir du niveau B2, parce que c'est assez compliqué. Planqueur, c'est beaucoup, beaucoup de vocabulaire familier. Osmosis, c'est plutôt de la science-fiction. On a Mortel, qui est un mélange entre science-fiction et film d'horreur. Lupin, qui est sorti récemment avec Omar Sy, que vous avez peut-être vu. Très bien. Family Business, ici, vous les voyez. Donc, c'est assez c'est sympa aussi. Le Cercle, ce n'est pas une série, c'est une émission de télé-réalité. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup d'apprenants qui l'ont regardé parce que c'est, ça se regarde assez rapidement. L'avantage, c'est que ce sont des vraies personnes qui parlent. Donc, encore une fois, ce n'est pas des acteurs. Donc, vous avez vraiment des expressions que vous pouvez entendre dans la vie de tous les jours, et vous avez plusieurs types de personnes, donc plusieurs façons de parler, plusieurs façons de s'exprimer. Et Mytho aussi, qui est une série qui avait été produite, il me semble, par Arte. Je ne suis pas sûre, mais c'est une très bonne série, assez courte. Je crois qu'il n'y a que 5 épisodes, et elle est disponible maintenant sur Netflix aussi. Et celles-ci, je ne les ai pas vues, elles sont sur ma liste, mais elles sont souvent recommandées aussi. Voilà. Pour les séries, comme ça, on avait promis des séries, vous en avez aussi. Donc, pour résumer, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est comment apprendre le français avec des films et des séries. Et ben, comme on a commencé le webinaire en disant que le cinéma français, c'est vraiment une production de films énorme, une ressource inépuisable. Vous avez des films de tous les horizons, dans tous les contextes sociaux et culturels. Vous avez vraiment de tout, aussi de toutes les années de production. Donc, ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour apprendre le français. C'est une manière de découvrir la diversité de la langue et de la culture française, bien sûr. C'est un travail sur toutes les compétences communicatives, comme on a pu le voir. C'est vraiment une source de motivation, parce que qui n'a pas envie de regarder un film? Quand même, c'est assez rare. Bien sûr, ça arrive. Hein. C'est pour tous les niveaux, à tous les âges, à condition de bien choisir les films en fonction de votre niveau et de votre âge, bien sûr. Enfin, je dis ça surtout pour les enfants, mais c'est vrai qu'on a tous différents goûts. Et enfin, c'est une ressource dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer des situations et des dialogues vraiment authentiques. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais si vous aimez le cinéma, ce serait dommage de se priver de cette méthode d'apprentissage. Et je vous ai mis ici quelques commentaires de certains de mes étudiants. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à condition que vous aimiez le cinéma. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bijal, est-ce que c'est le moment de poser des questions ou est-ce qu'on passe à la... Yes, Marion. We okay. have questions which are something that you, I think, already... most of them you have replied, yes. Mais I think la même question, vous avez une liste des films disponibles sur Netflix et comment les trouver? Oui, il y a un lien direct...
Alors, il y a un lien direct. Je pourrais le mettre, je pourrais l'envoyer. On pourra le mettre dans le mail peut-être avec le e-book. OK. Bijal, c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Je le retrouve. Oui. Je n'ai pas ici sur la main, mais... ouais, il y a un lien direct qu'on peut mettre sur Chrome et ça fait apparaître tout le catalogue de Netflix selon votre pays. Donc, okay. C'est assez pratique. Ouais. Okay. Mubi, ça s'écrit M-U-B-I. Vous pouvez le taper dans le chat? Oui. Mubi. Et c'est le site gratuit pour... C'est pas gratuit, c'est une plateforme de streaming dont okay. Juliette a parlé tout à l'heure aussi au début, qui à la base est française et qui maintenant ont des catalogues dans différents pays. Et en Inde, je crois qu'elles ont un catalogue assez fourni aussi. Donc Mubi, ouais. C'est aussi un comme Netflix en fait. Hein, c'est un site de streaming sur lequel il faut s'abonner. Ok. Quel site on peut télécharger gratuitement les films français? Eh bien, gratuitement. Tout à l'heure, par exemple, je vous ai donné TV5 Monde Plus. Donc, ce n'est pas téléchargeable, c'est du streaming, mais c'est gratuit. Et il y a beaucoup de films français que vous pouvez voir en ligne. Après, ça dépend bien sûr dans quel pays vous résidez. En France, on a un petit peu plus de ressources. Par exemple, on peut aller sur arte.tv. Si vous êtes en France, il y a un catalogue aussi très intéressant. Okay. Et Dipti Prasad a posé une question. À votre avis, peut-on montrer des films animés, par exemple, de Disney qui sont en français et où peut-on les trouver en ligne? Alors, des films animés, oui, bien sûr, vous pouvez en utiliser. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui se situent en France. Je pense par exemple à Ballerina qui parle de la Bretagne. C'est un film aussi de Disney, Ballerina. Il y a des films d'animation français, exactement, oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Il y a Ratatouille qui parle de la France, c'est pas français, mais il y en a quelques-uns. Il y a par exemple, je pense aussi à un film sur les émotions. Je ne sais plus comment il s'appelle, le film d'animation sur les émotions, où il y a plein d'émotions dans la tête de la jeune fille. Et ça, c'est pratique aussi. Le roi et l'oiseau aussi, qui est un très bon film. Oui, tout à fait. Okay, Où les trouver sur Disney+, ou sur les plateformes habituelles après, ou alors les acheter directement en DVD. Peut-être aussi, je ne sais pas si sur le site, le catalogue d'IF Cinéma, mm-hmm. a accès à ces films. Et Jairaj a écrit dans la boîte Q&A, j'aimerais bien savoir si vous connaissez une application ou bien un site web où l'on pourrait découper la scène du film. Une application de montage, alors, peut-être. Moi, j'utilise les applications de montage qui sont directement installées avec Apple. Mais après, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez. Mais moi, j'utilise celle d'Apple, en fait. iMovie, sans faire de publicité. Mais vraiment, après, un logiciel de montage, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Okay. Et je pense que vous avez déjà répondu, mais peut-être vous pourriez répéter quel film vous préconisez pour le niveau A1. Alors, pour les niveaux A1, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était aussi peut-être plutôt des films qui sont en direction des enfants, où on aura un vocabulaire plus simple, ou en tout cas des films dans lesquels il y a des enfants. Donc, tout à l'heure, on a parlé du Petit Nicolas, on a aussi Les Choristes, par exemple, qui est un film avec des enfants. Et j'en avais mis aussi sur ma page Instagram. J'ai essayé de retrouver ceux que j'avais mis pour le niveau A1. J'avais mis Le Petit Nicolas, L'Auberge espagnole, ça peut être intéressant aussi pour les adultes. L'Auberge espagnole, c'est un film qui a plusieurs langues, mais qui permet film sans parole aussi pour déclencher la production orale. Oui, tout à fait, pourquoi pas d'ailleurs aussi parler des films de Méliès ou des films au début du cinéma, ouais. Des films sans parole, c'est bien aussi. Et Akhilesh, tous les participants, ce webinaire sera disponible sur Facebook. On a enregistré ce webinaire.
Et Marion, comment on peut intégrer le cinéma dans un projet de la classe? Quelqu'un m'a posé cette question. Alors, ça dépend bien sûr de l'âge et tout ça, mais et aussi de ce que les apprenants ont envie de faire. Mais par exemple, pourquoi pas créer un film du début jusqu'à la fin avec un synopsis, avec un storyboard, avec donc vraiment en créant des petits films, ça permet de s'exprimer, ça dépend du niveau. Mais ou en faisant un ciné-club, par exemple, c'est aussi un bon moyen de découvrir des films et de s'exprimer sur les films. Ça, c'est des projets qu'on peut mettre en place dans une classe de FLE. Ouais, vraiment. Il a déjà tes yeux. Ouais, il a déjà tes yeux, qui est un très bon film aussi. Ouais. The African Doctor, je crois que c'est Bienvenu. Non. Je vois quel film il s'agit, j'arrive plus à retrouver la traduction en français. Mais oui, en effet, il est bien aussi peut-être pour les niveaux A1, tout à fait. Ouais, il a déjà tes yeux aussi pour les niveaux A1. Ça parle aussi des différences culturelles, du racisme. Donc, c'est des choses intéressantes aussi. Cool. Et c'était vraiment formidable, Marion. Et nous avons toutes des techniques variées pour commencer à utiliser les films pour apprendre et enseigner. C'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Merci, j'espère que c'était utile. Je vais donner ce que moi, j'utilise. Mais bien sûr. Et donc, on enverra certainement le e-book aussi après, oui. Après ça. Oui, et pour tous les participants, nous avons... Marion est vraiment, vraiment gentille et on a un cours avec Marion pour 4 heures. On le met le lien dans le chat box et aussi on verra le lien dans la mail. Si vous voulez participer, can we please have the link in the chat box? Thank you so much. Oui, et bah. Je réinvite Juliette, Philippe et Eric avec nous. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Non, c'est OK pour 2 minutes, je pense. Okay. D'accord. Philippe, Eric, Juliette, vous souhaiterez partager vos points de vue, vos idées? Oui, oui, avec plaisir. Juste quelques mots d'abord pour remercier Marion pour son intervention très dynamique, très, très chaleureuse. Et puis, je pensais... maîtriser un petit peu les techniques d'utilisation du cinéma en classe de FLE, mais je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre aussi. Je crois que c'était intéressant également d'avoir une spécialiste du cinéma. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le choix de ce profil, c'est que Marion est d'abord une spécialiste du cinéma qui est ensuite devenue professeure de français langue étrangère. Donc, elle a quand même toujours cette maîtrise des techniques que n'ont pas évidemment les professeurs de français langue étrangère, entre guillemets, classiques. Oui, beaucoup d'activités nouvelles. J'ai découvert le shadowing. et puis des outils aussi, hein, des outils nouveaux également. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si Juliette veut ajouter autre chose. Eric est aussi avec nous. Je suis. Bonjour à tous. Juste un moment. Excusez-moi, Eric, juste un moment. En fait, j'imagine que vous me demandez de parler parce que je. Mais en fait, je vous suis sur Facebook Live parce que je n'arrivais pas à vous suivre en direct. Donc, j'ai un petit décalage. Mais ça n'a pas enlevé la qualité de la présentation. Marion, merci beaucoup. Et je pense qu'on peut justement se parler un peu plus précisément pour savoir justement comment moi, je peux faire le relais auprès des alliances françaises. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un outil formidable pour apprendre une langue étrangère. Et même presque, enfin voilà, pas le seul, mais le plus accessible pour un grand public. Et on peut travailler justement à faire un e-book avec toutes les ressources qu'on a dit ensemble pour le partager, parce que voilà, je trouve ça génial. Et pour la petite anecdote, on a parlé de 10% pour la série donc française, qui a eu un certain succès en Inde, mais surtout qui va faire l'objet d'un remake
qui est en fin de tournage, donc Call My Agent, et qui va sortir en octobre sur les plateformes indiennes. Voilà, donc en fait, c'est un peu… La série sera connue, mais du grand public pour sa version indienne. Génial, ok. Donc, une version indienne de 10%, super. Je ne savais pas, j'aime l'idée. D'accord. Merci, merci Juliette. Et Eric, quelques mots ou votre avis, oui. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je partage totalement ce qu'a dit mon collègue Philippe. Merci beaucoup Marion, c'était effectivement très intéressant. Comme Philippe, je suis très attaché à l'éducation au cinéma et le français par le cinéma. Donc, j'ai moi-même pas mal organisé de séminaires à ce sujet. Une petite chose que sur IF Cinéma, alors IF Cinéma, pour le moment, on donne des comptes par établissement scolaire, c'est-à-dire ce n'est pas un compte par enseignant, mais un compte pour les établissements qui le demandent. Donc, on vous invite vivement à nous demander un compte. Et sur IF Cinéma, l'avantage, c'est effectivement, vous pouvez retirer ou mettre les sous-titres et vous avez des films en français avec des sous-titres en français aussi. Pas tous, mais certains, ce qui peut être aussi intéressant. Et quelqu'un posait la question des films d'animation. Il y a des longs métrages, par exemple Le Tableau, qui est un très beau film d'animation. Il y a aussi Kirikou, je ne sais pas s'il y est encore, mais il y était jusqu'à une période récente. Il y a Les Contes de la Nuit, qui sont magnifiques. Et vous avez aussi toute une série de courts films d'animation qui correspondent à des réalisations d'étudiants qui étaient notamment à la FEMIS et qui devaient, c'est leur production finale. Et il y a vraiment des choses très, très, très intéressantes là-dedans. Moi, j'ai beaucoup utilisé. Et une dernière chose, si vous me permettez, Marion, avec des élèves de lycée bulgare, nous avons beaucoup travaillé avec cette approche. Et moi, je travaillais aussi beaucoup à partir de l'affiche et de la bande-annonce du film afin de leur permettre d'émettre des hypothèses. Oui, tout à fait. C'est aussi un très bon démarrage de cours, tout à fait, quand on commence avec l'affiche, etc. Oui. Je rajouterai. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on est vers la fin maintenant. Alors, merci beaucoup à Marion et à notre panéliste Eric, Philippe et Juliette. Grand merci à vous. Et un grand merci à tous nos participants sur Zoom et Facebook Live. Et bonne soirée à tous. Thank you very much and see you soon. Bonne soirée.